En voyant Massacre à la perceuse, vous avez frémi en voyant La Nuit des Morts-Riants. Vous avez mangé votre popcorn en voyant Friday the 13th numéro 27. Eh bien, préparez-vous maintenant. Vous n'avez pas fini en voyant ce tout dernier film de Stephen King. L'horreur, l'angoisse et le suspense n'étaient jamais allés aussi loin. C'est l'histoire d'une idole adulée de la chanson qui avait commencé à chanter dès l'âge de 9 ans et qui connut immédiatement les plus grands succès à travers le monde entier. Aujourd'hui, à l'âge de 25 ans, il est au comble du bonheur dans sa carrière et sa vie personnelle. Une seule ombre au tableau. Une chose le poursuit. Cette chose le poursuit partout. À Montréal, Pointe-aux-Trembles, La Valtrie, Victoriaville, Québec, partout. Dans sa voiture, sa chambre et même dans son café. Il ne sait plus quoi faire. Écoute, Guy, il faut faire quelque chose. Ça n'a pas de bon sens, ça me suit partout. C'est comme une petite bubite. Ben voyons, René, c'est sûrement ton imagination. Faut absolument que tu prennes des vacances. Personne ne le croit. Un beau jour, pourtant, René décide d'affronter la chose. Écoute, je suis sûr que t'es là, je le sens. Sors de là, je veux voir à qui j'ai affaire. Wesh! Qu'est-ce que tu veux? René, pourquoi tu veux plus chanter l'oiseau? Ok, chante l'oiseau, René, envoie, chante-les, chante-les. Je connais! Ne manquez pas le oiseau de malheur. Prochainement, dans votre quartier.